Eh oui. Et ben voilà, c'est un dur moment, hein. Il est 23h, 59 minutes et 2 secondes. Un vœu déjà? Non, pas encore. Mais écoute, j'en ai, hein. J'en ai plein les poches. Oui. Si j'avais des poches, en tout cas. 85, c'est presque terminé. Oui, ça s'est bien passé. Ça aurait pu être mieux. Oui, ce sera mis en 86. Peut-être sur certains plans, puis il y avait des choses chouettes. Oui, et pour vous, 86, ça va être mieux que 85, j'en suis sûr. On croise les doigts pour vous. Vous souhaitez plein de projets. Alors, vous vous préparez un petit verre, vous faites comme nous. Vous préparez un petit verre, une petite bouteille. Est prêt, hein. Tout est prêt, les cadeaux, parce qu'il va y en avoir des cadeaux, hein. C'est pas terminé. Non. En 86, RTL Télévision va commencer par vous offrir les cadeaux. Parce qu'on est comme ça, parce qu'on a envie de vous rendre heureux. Des projets, je suis sûre que vous en avez plein la tête. Alors vous offrez votre petit verre, attention, vous versez le petit verre, vous restez devant votre écran. Même si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas tout seul, on est tous là. Vous allez voir dans quelques instants qu'on n'est vraiment pas tout seul. Il y a plein de monde autour de nous, ce sont tous les gens de l'équipe. Là, on va commencer à décompter dans quelques instants les secondes. J'espère que les pendules sont à l'heure. On vous a aidé tout au long de cet après-midi à la remettre à l'heure. Il est, oulala, 23h59 minutes et 57 secondes. Plus que 3 secondes et on va enterrer Madame 1985. Bonjour Madame 1986. Bonne année à tous. Bonne année à toutes. On se fait la bise. Oui, bonsoir. Elle est émue, elle est émue. Bonne année à tous, vraiment. Bonne année au nom, à notre nom bien sûr, mais surtout au nom de toute l'équipe d'RTL Télévision. Je débouche. Tu débouches, elle est nombreuse cette équipe, vous le savez. Il y a plein de monde qui travaille ici à RTL Télévision pour vous. Vous ne les voyez pas souvent, mais ils sont là, présents chaque jour, presque chaque nuit, pour vous offrir les programmes que vous voyez chaque jour sur RTL. Ils sont de tout cœur avec vous et vous souhaitent à tous et à toutes une année 1986 merveilleuse, comme vous la souhaitez. Que tous vos projets se réalisent pleinement. Merci. Je t'en prie. Si on leur demandait de venir nous voir. Et on lève notre verre à votre santé. Et puis on va appeler notre équipe présente. Il y en a plein d'autres qui manquent. On va déjà appeler tous ceux qui sont là. Il y a Poupa, il y a Frédéric, il y a Patrick qui se cache là à la régie finale. Bonne année. Il y a Didier Weber qui est à la caméra. Bonne année, Frédéric. Bonne année. Ce sont nos assistants. Alors, vous avez amené vos verres là, oui. Voilà. Ils sont bien quand même. Ça, c'est l'équipe d'RTL Télévision. Voilà, c'est un morceau de l'équipe parce qu'il y en a d'autres. Bonne année, Didier. Bonne année Didier, à vous. C'est un de nos caméramans. Et puis on va Patrick. Alors, il veut du champagne parce qu'ils veulent tous des bisous. Mais... Bonne année. Et Lorenzo Della Libera qui est le réalisateur. À la réalisation et puis qui est descendu aux vitesses nous dire un petit bonjour et vous souhaiter une bonne année. Le champagne que nous partageons avec vous, amis téléspectateurs. Bonne année. Voilà, vous allez voir comment ils vont. Ils vont vite. Voilà. Toi, tu en as déjà eu. Bonne année à tous. Il en manque encore. Il manque le télécinéma. Il manque l'Ampex. Qui est à l'éclairage. Il manque, oulala, il manque même la direction. Oui. Écoutez, mais ils sont là, tous devant leur écran. Je pense que raisonnablement, le meilleur cadeau qu'on puisse faire maintenant à nos amis téléspectateurs, c'est de leur offrir encore des cadeaux. Oui, des cadeaux surprises. On n'a pas pu le faire tout à l'heure, on va remettre ça. On va essayer de vous offrir un cadeau fabuleux. Mais pour ça, on a besoin de vous. Hein. On va déjà vous chasser. Hein. Alors, à vous, on y va. Amis d'RTL, tous ensemble. Bonne année à tous. Bonne année 86. On a presque envie de dire bonne année maman, bonne année à nos enfants, bonne année à nos tantines, bonne année à nos amis. Bref, bonne année à vous tous. Et allô cadeau, d'accord, soyez prêts. Hein. T'as pris ton verre, toi? J'ai pris mon verre. Attendez, non, on arrête tout. Et puis, je fais une chose que vous devez faire tous si vous êtes devant l'écran de télévision. Vous prenez un peu de champagne ou une autre boisson sur le bout du doigt, vous le frottez derrière l'oreille gauche et ça porte bonheur pendant toute une année. Mais c'est froid, hein? C'est froid, mais ça compte, ça pique aussi. Alors, cadeau. Alors, on l'a dit, on va envoyer l'ordinateur parce que finalement, c'est un risque là. C'est la Belgique, la France ou le Grand-Duché qui joue. On n'a pas le choix. Alors, c'est l'ordinateur qui décide. Nous, on s'en lave les mains honteusement. J'ai peur. Alors, Belgique, France ou Grand-Duché? C'est la France. C'est la France. Cette fois-ci, c'est bien décidé, c'est la France. Alors, amis français, attention. Un autre cadeau pour vous à vous offrir. À la France. À l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Bon, là déjà... Ah voilà, j'ai un bon numéro, c'est génial. À Verdun, il s'agit de Madame Brénin Tania. Un joli prénom qui me rappelle un autre. 0033. Ah bah tu peux, hein. Pour la France, c'est Tatiana, c'est ma fille. Tatiana, voilà, qui nous souhaite une bonne année aussi. Ah oui, elle est là devant l'écran, je crois qu'elle y est, hein. Avec son papa. Je lui fais des gros bisous, bien sûr. Je profite de l'antenne pour faire des bisous à toute la famille, il n'y a pas de raison. Je suis chez Madame Tania Brénin. Qui souhaite, à mon avis, les bons voeux à toute sa famille. Ah oui, hein. Ça, c'est une heure difficile. Tania, raccroché. Surtout que nous avons un super gros lot à vous offrir. Elle a bien mis 0033. On ne peut même pas le mettre en boîte, hein, le gros lot. Non. On ne peut pas. C'est tellement gros qu'on ne peut pas le mettre en boîte. C'est une surprise. C'est pas palpable, d'ailleurs.
J'ai pas trop bien compris, là. C'est pas palpable, le cadeau. Palpable. Ah, c'est pas palpable. Mais écoute, je dois prendre quelqu'un d'autre. Et là, je vous jure, j'ai fait le bon indicatif, le bon préfixe. Mais cette personne... Ah bah, tu prends quelqu'un d'autre parce qu'il faut qu'on gagne, là. Cette personne fait certainement des bons voeux à sa famille. C'est ce qui va nous arriver probablement quelquefois. Bon, je recommence. Et là, je suis à Mont-de-l'Ange. À Mont-de-l'Ange. Alors, 0033 pour la France. Monsieur Claude Fabrice. 87, c'est l'indicatif. Oh, j'espère que ce monsieur... Qui joue avec monsieur Marc Fabrice. N'est pas accroché à son téléphone. Ah, il faut qu'il commence bien l'année 1986. Ça fait bizarre de dire 1986. Ah, moi, ça me va très bien, je trouve. J'aime bien les chiffres impairs. C'est un chiffre impair. 6, oui. Je n'ai jamais 6, ça. 6, oui. C'est nouveau, alors. 1986, ça demandera une étude, quand même, oui. Alors, Claude Fabry, qui habite à Mont-de-l'Ange. Voilà, et qui souhaite une très bonne année également à Marc Fabry, qui fait certainement partie de la famille, je ne vous cache rien. Alors... Allô, oui, allô. Marc Fabry, on est là. Bonsoir. C'est merveilleux. On est là, on est là. Bonne année à tous. Oui, oui. Bonne année, Claude. Je m'appelle Claude. Ah, bon, voilà, c'était pas Claude. Télé, ah, ben oui, il faut ça. Allez, Claude. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du monde, hein. Attends, Denis, ça chipote au téléviseur. Si, 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 c'est sérieux. Alors, Claude, voilà, vous êtes là, Claude. On est là. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes nombreux? Ah ben oui, on est tout à ça. Racontez-nous, vous êtes combien, là? Vous avez compté? Ah ben, on est à 5. Ah ben, c'est bien. 6, toutes les femmes. C'est vrai, il n'y croyait pas. Qui dit mieux? C'est vrai. Toute la famille... Toute la famille Fabry est là. Ah! Oh là là, il a bien commencé cette année, j'ai l'impression. Oui, c'est bien. Est-ce que... bien. Vous êtes en forme, là. Est-ce que nous parlons bien, Claude et moi, à Claude? Oh, excusez-moi, on n'entend rien tellement il crie. Ah, ben oui, il me semble. Est-ce que je parle à Claude Fabry? Oui, c'est sa femme. C'est son épouse. Vous appelez comment de votre petit nom? Émilienne. Émilienne. Je vais jouer avec vous parce que vous m'avez l'air plus raisonnable. Oui, écoutez, j'ai le téléviseur à côté, alors je ne sais pas comment je vais. Ah bah écoutez, vous faites souffler par votre mari. Claude, hein? Viens ici, tiens le téléphone. Alors, Claude, viens ici. Quelqu'un tient au pied. Au pied, Claude. Alors, c'est moi qui vous parle. Alors, d'accord. Moi, j'ai encore en plus, j'ai les oreillons. Oh bah écoutez, c'est très dangereux, les oreillons. Vous avez quel âge, Claude? Vous avez quel âge, Claude? Vous pouvez le dire. 53 ans. Oh bah ça va, non, ça va. Et vous, bah, je ne vous demandais rien, Claude. Je vais vous demander une bonne chose, par contre. C'est d'écouter ce que madame va vous raconter. J'imagine que votre épouse est devant son récepteur de télévision. Oui, ça voilà. Vous avez, vous, le cornet du téléphone. On va passer quelques images. C'est pas sûr, vraiment. Si, si. On va vous passer les images d'une émission. À vous de la reconnaître, cette émission. Regardez bien, c'est simple comme bonjour. Ils arrivent, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Voilà les enfants qui arrivent. Vous êtes absolument fabuleux, Claude. Je suis la musique, je suis tout le jeu, l'orchestre. Moi, je propose, pendant qu'ils arrivent sur le plateau, c'est la chanson de chanson. Et pourquoi pas, et puisqu'on est... Écoutez, je parle bien à Claude, là. Oui. À Claude Fabry. Et votre épouse s'appelle bien Émilienne. C'est ça, oui. Savez-vous ce que vous venez de gagner? Vous venez de gagner une semaine au soleil, une semaine en Grèce, une semaine à Athènes, tout frais compris, le voyage, le logement, bref, une semaine de rêve. Au nom d'RTL Télévision, des vacances pour vous. Mais alors, tout frais compris, si vous voyez ce que je veux dire. On s'arrange. Oh, on va attendre que vous soyez soigné, vous ne devez pas partir demain. On vous rappellera, on va vous recontacter, on arrangera tout cela avec vous. Bien, d'accord. Et on vous souhaite une très très bonne année, ainsi qu'à toute votre famille. Mais c'est pas tout. Merci. C'est pas tout. Et c'est pas tout. Vous voulez gagner plus? Alors? Oui. Eh ben on continue. La on cagnotte. On vous demande une chose bien précise. Attends, on va d'abord regarder la On va regarder la cagnotte. 30 000 francs à vous offrir. Ça fait combien en francs français? On va le savoir là, tout de suite. On va savoir, on va traduire. Environ... L'ordinateur peut plus, bah, il peut plus, il est fatigué. Il est épuisé, on fera les Disons 4 500 francs français. Absolument. Hein? On est à peu près dans les... Oui, oui, bon. Dans les normes. 4 500 francs, à peu près. Hein? Je suis peut-être un peu au-dessus, un peu en dessous, je ne sais pas. Mais en tout cas, calcul dans mon petit cerveau, là, c'est ce que ça donne. Ce qui, évidemment, n'est pas une garantie, sûrement pas une garantie bancaire. Alors, enfin, Claude, voilà. On vous demande bien sûr le mois où cette émission a été diffusée.
Alors, attendez, on peut vous aider. Quel mois depuis l'arrivée d'Anne Lauric? Anne Lauric anime cette émission depuis le début... Septembre. Écoutez, ben c'est gagné. Bravo, on vous applaudit. Vous partez une semaine avec votre épouse, bien sûr, avec quelqu'un de votre choix. Elle connaît tout, elle. Et en plus, vous gagnez des sous. Mais vous savez la meilleure des choses, Claude Fabry, oui. C'est que vous avez fait gagner ce même voyage à Athènes à Marc Fabry. À Marc Fabry et quelqu'un de son choix, parce qu'ils pourront partir à deux, bien entendu. Ça fait quatre personnes. C'est pas vrai? Eh bien, écoutez, comment s'appelle cette personne? Elle a un petit nom, quand même. L'épouse de Marc. Béatrice, d'abord, on la félicite pour son bébé. Et puis, vous pouvez déjà annoncer à Béatrice et à Marc qu'ils pourront partir se reposer à Athènes, en Grèce, à nos frais. Et puis, 30 000 francs en plus pour avec vous, 30 000 francs. 4 615 francs français. Ouh là là, ça c'est précis, ouais. Hein. Ça fait des comptes. Hein. Non, c'est inscrit là. Voilà, l'ordinateur a enfin fait le calcul. Après le champagne, il y arrive. Voilà, 4 615 francs plus un voyage tout frais payé à 4 personnes. Eh bien, oui, absolument. Vous êtes 4. Écoutez, ne vous tracassez pas, continuez votre fête, buvez un verre à notre santé, et puis on vous recontactera dans les jours qui viennent pour mettre tout cela au clair. D'accord? Oui. On vous retéléphonerait et on vous souhaite bien sûr une très bonne année 86. Et attention au petit résiné. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ah, ben c'est bien ça, il y a de l'ambiance là. Ben, ça fait une famille heureuse. Ouais, tu sais ce que je te propose? Vas-y. Propose. Je ne sais plus très bien ce que je voulais. Eh bien, moi, je te propose de continuer. On offre un deuxième cadeau. Tout de suite? Oui, tout de suite. Je prends le téléphone, je passe derrière toi. Bon, on va d'abord sélectionner. Et on va sélectionner. Hein. L'ordinateur. Allez, on y va, parce qu'après tout, hein, on commence bien l'année. Luxembourg. Très bien, nous sommes au Grand Duché. Oh là là, ben, j'espère que tous les Luxembourgeois sont à l'écoute. Ils sont là devant le récepteur. En tout cas, ils nous ont écrit des cartes. Hein. Ça, c'est pas un hasard. Là, on va jouer avec Victor José Cochapa. C'est en tout cas ce que je lis. Et cette personne habite à Bertrange. Et elle souhaite également une très très bonne année à Joe, en tout cas c'est ce que je lis, Abel, Joe, Cochapa, c'est la même famille. Alors, va-t-on pouvoir envoyer également ces personnes au soleil? Allô, je suis bien chez Victor José Cochapa. Oui, c'est Abel, son frère. Bonjour, oui. Claude, bonjour Vanessa. Ben, bonjour, voilà, Abel. Bonjour, bonne année. Merci. Alors, toute la famille est là? Oui. Combien? À 4, ben ça suffira pour gagner, je suppose. Alors, qui est Victor José dans tout ça? C'est mon petit frère. Il est tout petit? Il est tout petit? Non, il a 8 ans. Il est tout petit, quoi. On va jouer avec Abel. On va jouer avec Abel. C'est bien. C'est égal. Oui. On joue avec toi? Oui. D'accord. Alors, tu vas bien regarder ces images, et puis tu nous diras... Où ça se passe, c'est tout. On va simplement te demander où ça se passe. Tu regardes bien les images, hein. Oui. Tu demandes conseil en plus. Bonsoir, Bia. Bonsoir, ça va, Jeanne? Ça va bien, merci. Tu vois, ils sont tous là, ils sont tous venus, toi. Oui, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et nous, on est très contents d'avoir de tes nouvelles parce que c'est vrai qu'elle vient souvent nous voir en Belgique, au Luxembourg ou dans l'Est de la France. On applaudit encore Pia Zadora. L'une des clubs, cette fois-ci, est vraiment terminée. It's finished, the show. C'est fini. Oui, jusqu'au mois de septembre. Voilà, Abel. Alors... De quelle émission? Non. De quelle émission? Allez, on te donne une autre chance. De quelle émission s'agit-il? Jean-Luc Bertrand. De Hit Day Club. Hit Day Club, tu as gagné. Mais voilà, c'est gagné. On est comme ça. Alors, ça tu as gagné. Enfin, tu as gagné. Vous êtes combien là dans la famille? Parce que ça va faire un nouveau, avec Abel, etc. 4 personnes qui vont pouvoir partir pour le soleil, tout frais compris. Maintenant, il faudrait peut-être gagner le pécule. Hein, mais demande un peu finalement, 4 personnes, ça fait la famille complète, Abel? Bah oui, ils sont 4. Abel, vous êtes 4? Oui. Il y a quoi, ton papa, ta maman? Mon papa, ma maman, mon petit frère et moi. Eh ben écoute, c'est parfait ça. Ils sont là, le papa et la maman? Oui. Oh ben, tu pourrais me passer le papa ou la maman une minute pour leur demander... Papa, oui. Au revoir, monsieur. Allô, Claude. Bonjour, monsieur Cochapa. Bonjour, monsieur Cochapa, bonne année. Vous avez gagné un voyage au soleil? Oui, merci quand même, bonne année. Bonne année, vous avez un nom qui a un petit peu de soleil aussi, vous êtes de quelle région? Oui, du Portugal. Du Portugal, vous allez aller dans tout à fait l'autre sens, la Méditerranée, à Athènes, vous connaissez la Grèce?
Oui, peut-être, ça va. Eh ben, vous allez la connaître avec votre famille, vous pouvez partir, et vous allez tout frais payer, voyager aux frais d'RTL Télévision, mais c'est pas une question de frais, hein. Vous allez vous amuser, j'en suis certain. Maintenant, on va essayer de vous faire gagner, peut-être qu'Abel va jouer, puisque c'est lui qui a commencé. La cagnotte. On va jouer pour la cagnotte. Vous me repassez Abel ? Oui, Abel, je... Merci. Alors, Abel est là. 5000 francs, on l'a vu déjà tout à l'heure, 5000 francs belges. Oui. 5000 francs luxembourgeois. Alors, une question, Anouchka. Ben oui. Mais c'est de nouveau le mois, hein. Quel était le mois de diffusion de cette émission du Hit des clubs à Nieuport? Il faisait chaud. Il fait chaud, il fait beau. Oui, il faisait chaud. En juin? Ah non, c'est tout près, c'était juillet. Mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Déjà, un énorme cadeau, c'est que toute la famille va partir en vacances. Voilà, vous partez de toute façon, ça vous avez gagné, vous partez en Grèce. Athènes, ça me fait rêver. Oui. Non, il Abel, part. Si t'as une petite place dans tes bagages, je pars avec toi. Abel, si tu veux prendre Anouchka, elle est d'accord. Je dirais même qu'elle pousse un petit peu. Oui, je dirais même une demande. On vous embrasse bien fort, on vous souhaite une très bonne année. Et puis, vous inquiétez pas, on vous recontactera pour les billets d'avion, pour tout ça, pour l'hôtel, vous saurez tout. Vous allez être soigné aux petits oignons, comme on dit. Merci et bonne année. Au revoir. Bonne année à toute la famille Cochapa. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ah ben voilà. Eh ben voilà, ça fait des heureux. Et il n'y a pas un 9e voyage, c'est sûr. Non, il y a T'as bien regardé. Écoute, il y a encore plein de cadeaux, ça continuera toute cette année 86. Non, mais c'est pour l'avoir, moi. Tu sais qu'il y a parfois des noms barbares comme ça, comme... Enfin, barbares, ils ne sont pas barbares, mais les gens ne comprennent pas toujours quand on dit dans la presse CLT, hein. C'est oui. La CLT, on ne sait pas toujours que c'est la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion. Ah ben non, RTL, on sait ce que c'est. Eh bien, tous ces gens, que ce soit les administrateurs, la direction générale de la CLT, que ce soit la direction générale d'RTL Télévision, la direction des programmes, tout cela, tous ceux qui travaillent parfois un peu dans l'ombre, dans les bureaux, etc., souhaitent que cette année 1986 soit pour vous pleine de cadeaux. Et vous allez avoir des surprises parce que 1986, RTL n'a pas dit son dernier mot. J'espère en tout cas que ça se passerait très bien pour toi aussi, Anouchka. Oui, je te le souhaite. J'y compte. Et puis tu sais, c'est l'heure de partir. Hein. On va retrouver les vampires. Les vampires? Oui, c'est l'heure du bal des vampires. On danse, mais avec des vampires. Mais on va rire quand même. On va rire, c'est un film de Roman Polanski. Oui, avec Sharon Tate. Superbe. Mais c'est une parodie en fait. Hein. Polanski joue le rôle d'un assistant, là. Très intéressant. Regardez bien.